Nicolas Sarkozy, the interior minister, said he would deport, he said, over 100 people whom he believed had been convicted of crimes connected with the riots and who were foreign nationals. It has since become clear through legal challenges that only a handful face the prospect of being removed from this country. This is very complicated, difficult legal procedure. How can you tell the people of France that you will remove so many of these immigrant people that were born in this country? Je ne sais pas si vous connaissez, vous êtes anglais, vous connaissez les problèmes de bateau. Quand un bateau fait de l'eau, n'est-ce pas, à une voie d'eau, avant de penser à la manière dont on va vider l'eau qui est dans le bateau, on commence par aveugler la voie d'eau. Or, pour l'instant, la voie d'eau n'est pas aveuglée. Autrement dit, les causes de ces problèmes sont constantes. Par conséquent, bouchons d'abord la voie d'eau, supprimons l'immigration, provisoirement en tout cas, totalement, pour l'instant, et nous étudierons les cas des gens qui se trouvent chez nous, nous modifierons les lois, en particulier les lois d'accession à la nationalité française, puisque nous nous apercevons que la politique laxiste qui a été menée aboutit à des catastrophes dont nous n'avons probablement actuellement que des prémices, mais ce sera de pire en pire. Just because you were born somewhere doesn't mean you are immune from anything. That's something you said just a few days ago. That is a threat, isn't it, to the immigrant population of this country, but also to the second and third generation. Ah mais bien sûr, ils n'auront pas d'immunité. Ils devront se conduire comme de bons citoyens. Why are you so frightened of immigration? Parce que je veux garder, entre autres, l'intégrité, la sécurité de mon pays. Je veux garder la dignité, son identité. Je ne suis pas un internationaliste, je suis un nationaliste. Je suis un eurosceptique nationaliste. Je suis partisan de la France. Vous voyez, c'est ça, je suis un Français et je crois que nous devons, politiciens français, je dois défendre les Français d'abord. Ça ne veut pas dire que je méprise les autres, Germany. Ça veut dire que je préfère les miens. Germany has twice as many foreign-born immigrants as France does. There are not riots in the streets of Germany. Non, il n'y a pas deux fois plus d'étrangers en Allemagne, sûrement pas. Et en Allemagne, les étrangers sont généralement de la même nationalité, ce sont des Turcs, pays avec lequel l'Allemagne a depuis longtemps des relations, disons, cordiales, et la possibilité de traiter directement le retour de ces immigrés. Statistics are quite clear. François Héron of the National Population Institute says for 25 years France has ceased to be a mass immigration country. Your population of immigrants is static at around 5.5%. François Héron of the National Population Institute. C'est un menteur. Je l'accuse directement de mensonge et de félonie. Car ces chiffres sont faux et controuvés par toutes les organisations. These are national government figures. The number of foreign-born immigrants in this country has stayed static at about 5.5% for the last two decades. Mais monsieur, écoutez, il suffit de prendre le métro, il suffit de se promener dans la banlieue parisienne pour se rendre compte que ces chiffres sont totalement faux. Et je dois vous dire qu'il y a sur le problème de l'immigration, une véritable omerta, un véritable complot du silence. Il est impossible d'obtenir des chiffres, il est impossible de les discuter, car il y a derrière tout cela, me semble-t-il, une intention politique, une idéologie mondialiste tendant à aboutir au melting pot de toutes les populations du monde, et je suis adversaire de cette politique. I just want to be clear, because this is important. You are saying you simply will not accept the government's own population figures, and you base your beliefs on what you see when you walk around the streets. Ah, mais je les récuse totalement, parce que j'ai quand même étudié la question depuis 30 ans. Would you agree that your intention is to frighten French people when it comes to immigration? Ils n'ont pas besoin de moi pour être effrayés. Ceux qui sont au contact de l'immigration. In 2004, you said, and I quote, immigration is the worst danger we've ever met in our history. Absolument. Non seulement pour nous, mais pour le continent tout entier. Et j'en décris le danger, submergeront notre continent si nous ne sommes pas en mesure de nous défendre. Comme nous l'avons fait chaque fois que des étrangers ont voulu venir de force chez nous.
qu'il vienne avec un fusil ou qu'il vienne avec une valise. So, Monsieur Le Pen, you've told me many times about the massive problem of immigration. What you have not told me is what you would do about the banlieue, about the places in France's cities where 40% of the people are unemployed, where the vast majority are from immigrant origin families. What would you do with those places? Integrate them? Throw them out? Cher monsieur, j'ai été partisan de l'intégration. Je suis, d'ailleurs, la première fois que j'ai été élu député, mon deuxième de liste était noir. Et j'ai été le premier homme politique français à présenter la candidature d'un arabe à la députation à Paris en 1957. 57. Et le premier à faire élire une musulmane à Paris comme conseiller régional en 1986. C'est vous dire que je ne suis pas un adversaire de l'intégration, et je dis qu'un pays peut intégrer par petite quantité, à titre individuel, un certain nombre de gens de religions, d'ethnies différentes, il ne peut pas accepter, il ne peut pas réussir l'intégration de millions d'étrangers qui arrivent et qui n'ont rien. This is the reality of France today. The French population is made up of millions and millions of people with brown and black skins. They are French, they are citizens. What do you say to them? Non, pas tous, pas tous. Ils ne sont pas tous citoyens français. Il y a, je crois, plusieurs millions d'étrangers encore. Il y a des étrangers parmi ces gens-là. Et je crois que le I'm sorry, 5% of this population is foreign-born immigrants. The rest were born here and are French. You have nothing to say to them. Non, je ne le crois pas. Je conteste tout à fait vos chiffres, et je pense que, je ne sais pas si votre public me comprendra, mais votre, en France, certainement, le public me comprendrait, qui a vu évoluer le nombre des immigrés dans notre pays. On the 16th of November, your party held a rally in Paris to try and find supporters for your position on immigration. Eyewitnesses say that about 600 people turned up. It was apathetic, it was unimpressive. You are not winning the argument. Vous les avez vus comment dans la nuit, il faisait noir. Vous les avez vus démotivés. Mais moi, je les ai trouvés plutôt actifs et enthousiastes. Et votre chiffre là non plus n'est pas bon. A few hundred people, does that represent the maximum? Non, non, plus d'un millier, plus d'un millier, puisque la police a dit 800 déjà. Donc quand la police dit 800, généralement c'est le double. Mais ça n'a pas d'importance. C'est une manifestation faite en deux ou trois jours. De citoyens français venus en pleine nuit, à 6h30, dire ce qu'ils pensaient. You've said that you're more in tune with the public mood now than you were in 2002 when you ran against Chirac for the presidency. Where is your evidence? C'est que ce sont les événements, comme les hommes, qui font l'histoire. Et il est vrai que l'opinion française se rend compte, le nez dessus, si j'ose dire, de la situation. Les gens ont vu brûler 8000 voitures. Mais vous devez savoir, et vos compatriotes doivent savoir, que cette anarchie, elle est latente chez nous. C'est permanent, puisqu'il se brûle en France par an 35 000 voitures. C'est le chiffre officiel. 35 000 par jour, une moyenne de 100 par an, une moyenne de 100 par jour, sans compter les agressions, les vols, les viols, etc. Et par conséquent, nous vivons dans un état d'insécurité. Dans la plupart des villes, il y a plus de mille zones de non-droit, qui sont des zones dans lesquelles la police n'entre pas. Are you saying that all of this criminality is linked to immigration? Is that what you're saying? Elle est pratiquement due essentiellement à l'immigration. Absolument, oui. Ces voitures brûlées. See, when you say things like that, it is not hard to understand why a majority in France see you as a racist and an anti-Semite. Oui, à ceci, je ne vois pas ce que l'antisémitisme a à voir là-dedans, en l'occurrence. Il n'a pas été question pour l'instant. The reason I mention anti-Semitism as well as racism is because the majority of French people consider your record, they consider your political record, and they will not, they cannot take you seriously. For example, less than a year ago, you described the Nazi occupation of France as, quote, not particularly inhumane. In 1987, you described the Holocaust as a mere detail of history. Non, je n'ai pas dit ça. Non, monsieur,
over the French press, you were quoted as saying non, precisely monsieur, that. Je vais vous dire exactement ce que j'ai dit, parce que j'ai dit les chambres à gaz sont un détail de l'histoire de la guerre mondiale. C'est si vrai d'ailleurs qu'aucun des chefs de guerre, ni Churchill, ni Roosevelt, ni Staline, ni De Gaulle, aucun d'entre eux n'ont jamais cité les chambres à gaz dans leur mémoire. Alors voyez. So you have not changed your views on the Holocaust, on the Nazi non, monsieur, occupation vous parlez of France. De nous n'avons pas parlé d'Holocauste. Je sais ce que je pense. Je suis un homme libre qui dit ce qu'il pense. Je tiens à cette liberté de ma pensée et je trouve assez douteux, assez suspect qu'il y ait dans un certain nombre de domaines des vérités auxquelles on doit croire sous peine d'être condamné par les tribunaux ou sous peine d'être livré à la vindicte publique des médias. There is a saying in English, you can judge a man by the company he keeps. You keep the company of, for example, the British National Party in the United Kingdom, which is led by a man who's been convicted of inciting racial hatred in the United States. You recently sent one of your top lieutenants to attend a meeting that was hosted by David Duke, who has long been regarded as a senior figure in the Ku Klux Klan in the United States. These are the sorts of people that you associate with. Où ça, aux États-Unis? Première nouvelle. C'est-à-dire que j'ignore tout. Quant aux leaders des différents partis politiques nationalistes d'Europe, ils assument leur propre responsabilité. So you are proud to associate with white supremacists, with racists across Europe and across the world. Mais qu'est-ce que vient faire la suprématie des Blancs, là? Il se trouve que nous sommes dans un pays à majorité blanche. Je ne vais pas me mettre à genoux et battre ma coulpe, demander pardon parce que je suis un Breton et parce que je suis français depuis des générations. Je suis fier de mon pays, donc je n'ai pas honte, mais je n'ai pas à l'égard des autres races ou des autres religions ni de haine ni de mépris. Simplement, j'ai des préférences. Moi, j'ai la préférence nationale, j'aime mieux les Français. J'aime mieux mes filles que mes nièces que mes cousines que mes voisines. Ce n'est pas un crime, n'est-ce pas? I ask only to establish the context in which you appear to believe that you can still play a significant role in French politics. Is that what you believe? Oui, je pense que je serai au deuxième tour des élections présidentielles françaises en 2007, et peut-être mieux, je ne sais pas, mais je le crois. Jean-Marie Le Pen, thank you very much for being on Hard Talk.